Salut les amis, partout où vous êtes, c'est un plaisir pour que nous puissions encore une fois de plus prendre quelques minutes pour parler un peu, comme chaque fois nous venons sur cette chaîne, pour vous partager les informations qui sont très utiles, qui vont vous aider à pouvoir avancer dans votre voyage en tant qu'entrepreneur, en tant que businessman, en tant qu'investisseur. Donc, c'est sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui touche au numérique, ce qui touche à l'entrepreneuriat, au business, aux investissements. Donc, si toutes ces thématiques-là t'intéressent, donc tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Tu vas très bien évoluer avec nous ensemble. Donc, nous voulons créer une communauté de ceux qui vont détenir en fait l'économie dans 10 ans, dans 20 ans, pour qu'on puisse parler aussi de nous. Donc, je suis venu avec un sujet qui va aussi vous intéresser. Vous savez que nous sommes ceux-là qui comptent si souvent sur le numérique. Donc, si c'est pour la première fois que tu me découvres, laisse-moi me présenter. Je suis Ephraim Kalala, je suis entrepreneur, je suis businessman et je suis aussi investisseur. Sur cette plateforme, nous parlons des investissements, nous parlons de l'entrepreneuriat et nous parlons du business et nous parlons surtout de la crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, nous allons parler les cinq meilleures plateformes des investissements dans le monde du crypto-monnaie. Les cinq meilleurs investissements, les cinq meilleures plateformes que vous pouvez utiliser dans les investissements en ligne. Donc, voilà le sujet que je vais vous amener. Pour parler de cela, vous devez d'abord comprendre que ici, comme nous sommes dans ce monde ici, il y a certaines choses qui sont très, très importantes où nous ne pouvons jamais nous surpasser en fait. Parce que vous savez, la jeunesse aujourd'hui africaine est un peu en retard par rapport à beaucoup, beaucoup de sujets. Donc, on n'a pas besoin aujourd'hui que nous puissions être en retard sur beaucoup des informations. Vous savez, nos aïeux pouvaient être en retard par rapport à beaucoup, beaucoup d'informations parce que, ils étaient là, ils n'avaient pas un peu accès à des informations parce qu'il n'y avait pas les moyens de communication. Vous savez très bien avec moi que les moyens de communication étaient un peu très, 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 très difficiles. On pouvait utiliser beaucoup de choses pour se communiquer, mais cela n'est pas le cas pour aujourd'hui. Dans le 21e siècle, les informations sont partagées à temps réel. Donc, on partage les informations. Si il y a une information qui se passe n'importe où, on est censé tous d'avoir cette information-là. Donc, aujourd'hui, il est interdit de ne pas être à la page dans le 21e siècle. Voilà. Donc, nous sommes censés de comprendre ce qui se passe de l'autre côté, dans l'autre coin du monde. On est obligé aujourd'hui de connaître cela. Donc, les cinq meilleures plateformes d'investissement sur, bien sûr, la crypto-monnaie. Donc, nous nous focalisons si souvent sur la crypto-monnaie et je vais vous présenter cinq meilleures plateformes pour lesquelles vous allez investir, sur lesquelles vous allez totalement et complètement faire quoi? Investir, vous avez besoin de vous lancer. Quelles sont ces meilleures plateformes dans lesquelles vous pouvez investir, vous pouvez mettre votre argent? Voilà le sujet que nous allons traiter aujourd'hui pendant quelques minutes. Et la première plateforme que nous allons vous présenter, c'est Binance. Binance est une plateforme, la première et la meilleure, qui existe sur le monde du crypto-monnaie. Pourquoi je dis que c'est la meilleure? Parce que quand vous allez sur MarketCap, pour ceux qui connaissent un peu MarketCap, ceux qui sont dans le
la crypto-monnaie, ceux qui sont dans le numérique, ils savent ce que c'est le market cap. C'est une plateforme qui regroupe les infos, qui donne les informations sur tous les actifs, qui donne les informations sur des plateformes. Les market cap aujourd'hui, si nous partons là-bas pour regarder, vous allez voir que sur les market cap, alors aujourd'hui, il y a plus de 578 plateformes d'investissement. 578 plateformes. Sur ces 578 plateformes, Binance est la première plateforme. Vous voyez pourquoi je dis que c'est la meilleure. Donc, Binance est la première parmi 578 plateformes d'investissement sur la crypto-monnaie. Donc, Binance est la première. Et nous avons combien de crypto-monnaies aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons plus de 23 000, 22 crypto-monnaies qui sont listées sur MarketCap. Et ça, ce sont simplement les crypto-monnaies qui sont listées sur MarketCap. MarketCap. Pourquoi? Il y a d'autres crypto-monnaies que MarketCap n'a pas encore listées et ces crypto-monnaies-là sont un peu en voie de développement. Les autres n'ont pas encore été vendues publiquement. Alors, ils sont en train de se développer. Mais ce que MarketCap a listé, donc, c'est combien? C'est 23 022 crypto-monnaies. Et parmi ces 23 022 crypto-monnaies, Bitcoin est la meilleure et la première des crypto-monnaies. Voilà. Et la deuxième place, combien? Quand nous parlons de Binance et sa capitalisation, le volume en 24 heures est de combien? Pour savoir que non, Binance est la première plateforme. Le volume en 24 heures est de 1 milliard 80 millions, 1 milliard 88 millions. 757 666, non, disons 1 milliard 88 millions 757 566. Vous voyez, ça c'est le volume en 24 heures. Donc, c'est énorme. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Ça, c'est l'argent qui circule sur cette crypto-monnaie. Et la deuxième plateforme qui suit Binance, c'est quoi? C'est Coinbase. Coinbase aussi, c'est une plateforme qui suit Binance. Et lui aussi a comme capitalisation. Non, ça, la capitalisation boursière, j'allais dire ça, c'est la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies qui a 1 000 milliards. 1 000 milliards ou 88 milliards, 757 millions, 566 000 ou 823. Ça, c'est la capitalisation totale qui circule sur le market cap. Et nous avons Binance à 13 milliards. Sur ces 1 000 milliards, Binance a 13 milliards 842 millions 654 000 539. Ça, c'est le volume en 24 heures. De quoi? De Binance. Et celui qui le suit en deuxième position, c'est quoi? C'est Coinbase. Coinbase a comme volume en 24 heures 1 milliard. Vous voyez maintenant l'écart entre Binance et Coinbase. Binance a 13 milliards, mais Coinbase a combien? Il a 1 milliard. Donc c'est pourquoi je vous disais que si vous pouvez vous lancer, c'est la meilleure plateforme où il y a beaucoup de liquidités, où il y a vraiment, qui est adapté au moins pour les Africains. Beaucoup de conditions sont remplies pour que les Africains fassent un peu du business avec cette plateforme. Donc il est vraiment très très important que nous puissions nous lancer sur cette plateforme-là. Troisièmement, nous avons Kraken. Kraken a 898 millions de volume en 24 heures. Quatrième, nous avons KuCoin. KuCoin. KuCoin a combien? Il a 899 millions. Et nous avons aussi Bybit comme cinquième plateforme qui a combien? Lui aussi a 1 milliard 177 931 815. Vous voyez?
Ça, ce sont de l'argent qui circule. Quand on dit, parce que les Africains pensent qu'à l'Internet, c'est simplement de l'arnaque. Tout ce que toi, tu vois ici, c'est à travers le monde, il n'y a pas une banque qui détient plus de l'argent que ce que détient le banque numérique. Voyez, la capitalisation boursière sur Market Cap, elle est combien? De 1000 milliards. 1000 milliards. Donc, c'est tellement énorme, mes amis. Lancez-vous, il est grand temps. Alors, l'Afrique aujourd'hui est en train de se réveiller par rapport à cette économie, à ce numérique. Donc, nous sommes là pour sensibiliser tous les jeunes africains d'abord en général et les jeunes congolais en particulier, pour que vous puissiez vous rassurer qu'il y a de l'argent à se faire en Internet. Donc, formez-vous, 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 même si ce n'est pas chez nous, formez-vous, cherchez la formation. Parce que le véritable investisseur a dû, il a dit à un investisseur, la meilleure manière qui a dû, la meilleure manière de planifier son échec, c'est de pouvoir se lancer dans n'importe quel domaine sans se former. Si vous vous lancez sans se former, obligatoirement, vous avez déjà planifié votre échec. Donc, formez-vous. La première conseil que je peux vous donner sur n'importe quoi, allez vous former sur n'importe quel domaine avant de vous lancer. Il est très important et très primordial. Voilà, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo ici t'a plu. Si c'est le cas, partage cela massivement. Abonne-toi sur cette chaîne si cela t'ajoute de la valeur. Et aussi, active la cloche de la notification pour que tu ne rates pas une vidéo que nous allons partager qui va t'ajouter de la valeur. Merci beaucoup. À très bientôt sur cette chaîne. C'est Ephraim. Merci.